Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On se samedi 18 février 2023, 10h23. Oh là là, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très, très mal. Mais on n'a pas l'impression que ça va si mal que ça, parce que dans nos vies, ça va quand même bien. On s'en sort quand même. On va chialer, on va critiquer contre l'augmentation des prix. Il n'y a rien qu'on puisse faire. On va chialer, on va... Critiquer, puis on va s'arracher les cheveux face à l'augmentation des taux d'intérêt, puis ils n'ont pas fini d'augmenter. On ne peut rien y faire. On va même faire la même chose pour le prix de l'essence, le prix de la nourriture, le prix des loyers, tout. Mais on va quand même continuer à survivre. Le système fait en sorte que ça ne s'écroule pas totalement, pour pas qu'on se retrouve dans la rue en pleine révolution. Donc on s'assure que nous, le citoyen ordinaire, on soit capable de naviguer dans tout ça, puis de garder la tête encore au-dessus de l'eau. Merci d'être avec moi sur YouTube. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, mais ceux qui sont déjà abonnés, merci infiniment. Ce qu'on voit à la télé, ce qu'on entend à la radio, ce qu'on lit dans les journaux, c'est ce qu'on nous présente comme une réalité. On choisit des événements. Il y en a tellement d'événements qui sont ignorés pour des raisons évidentes, j'imagine. On choisit un certain nombre de nouvelles à partager, d'événements à partager par les grands réseaux, par les grands médias du monde entier. Puis tu te rends compte que si vous êtes comme moi, vous, je serais surpris que vous ne le soyez pas, vous allez voir partout, sur différents sites de nouvelles, les grands sites de nouvelles, les grands sites de journaux et de sites Internet. Puis vous vous rendez compte que c'est les mêmes nouvelles qui sont partout. Parce que c'est un consensus, on a décidé. Parce que c'est un, un groupe sélect qui travaille ensemble, les médias, de s'en aller avec les mêmes événements. Puis souvent de les analyser, puis de les présenter de la même façon aussi. Puis souvent tu te rends compte quand tu fréquentes régulièrement les sites de nouvelles que c'est le même texte qui est partagé <laughs> par toutes les... Les entreprises de médias d'information. Donc, on programme les gens avec un certain type de vision, puis d'idéologie, puis de perception. S'il y a des conflits, on va essayer dans la plupart du temps, il y a des blocs hein, de géopolitique. Si tu es dans un certain bloc, on va te convaincre que c'est l'autre camp qui est le méchant, puis dans l'autre bloc géopolitique, ben, les autres, ils vont te convaincre que c'est l'autre gang qui est méchante. C'est pas nouveau. C'est de la psychologie, c'est utilisé. Et tu le vois, il y a des gens qui ont présenté ça, tu le vois même dans des. dans le cinéma, par exemple, où on va te préparer à des événements. Parce que dans le fond, le but que ces gens-là ont, c'est de faire en sorte qu'on soit toujours des spectateurs, premièrement. Et qu'on soit, comment dire, euh, conditionné. Conditionné à accepter un événement parce qu'on ne peut rien y faire, qu'on peut rien y changer. Il y a trois événements étranges dont je veux vous partager euh, l'étrangeté euh, qui se sont produits, et mais qui, a, quand tu regardes ce qui s'est fait euh, au cinéma, ont été comme projetés ou préprogrammés. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est, comme je te dis, de préparer le citoyen, le téléspectateur, l'individu le, à l'inévitabilité d'un événement et que tu ne peux rien y faire? On y est des, euh, comme je te le disais, des spectateurs. Et c'est ça qu'ils veulent qu'on soit des spectateurs. Donc, un des premiers événements c'est euh, celui euh, de la catastrophe euh, qui a été connue euh, sous le nom de Deepwater Horizon. Hein? Le, cette plateforme dans le golfe du Mexique qui a amené à une euh, tragédie environnementale. Et ça a été montré à la télévision, cet événement-là, dans un film « Knowing » Qui était un trailer de science-fiction américain de, qui a été réalisé en 2009, euh, mettant en vedette quand même Nicolas Cage, et euh, où on voit à la télévision, il, le, le mec regarde, Nicolas Cage regarde la télé, et on, euh, on a une nouvelle sur une plateforme dans le golfe du Mexique qui explose et qui crée euh, un événement majeur naturellement de catastrophe environnementale. Ben, en 2010, à peu près un an après, la marée noire de Deepwater Horizon, également appelée marée noire de BP, hein, la fameuse compagnie, était une catastrophe industrielle qui a commencé le 20 avril 2010 au large des côtes des États-Unis. Et euh, on est là en 2009 avec ce film, qui est un film... Comme je te dis dit, no, euh, Knowing, hein, qui est un thriller de science-fiction, qui n'a rien à voir avec l'événement, mais l'acteur euh, principal, Nicolas Cage, est chez lui en train de regarder la télé. Et il y a cet événement-là qui est euh, diffusé sur les, euh, la chaîne de nouvelles dans le film. Quand même assez fascinant. Le deuxième, deuxième événement concerne les fameux tours du World Trade Center. Hein? Eh bien, imagine-toi que ces événements-là du World Trade Center sont apparus dans un pilote qui n'est pas nécessairement euh, arrivé. Euh, tu sais, les pilotes, c'est des, des, euh, des, euh, des épisodes que les euh, producteurs ou les créateurs font pour présenter euh, aux, aux, aux producteurs, les financiers. Hein? Et souvent, c'est un sample, c'est un échantillon. Mais on, des fois, on, la plupart du temps, on les produit. D'autres fois, ces pilotes-là, ils restent dans l'oubli. Et ça, c'est un pilote qui a été fait euh, de la fameuse série, un spin-off de la série X-Files, qui s'appelait The Lone Gunman, qui présageait à la fois le complot consistant à détourner un avion et la faire voler vers, le, le faire voler et. Euh, entré en collision avec le World Trade Center. Et euh, cette, ce, ce, ce thriller-là n'a euh, pas été réalisé. Mais il a été fait, on, parce que le pilote, tu le fait, mais euh, on ne l'a pas euh, porté à la télévision. Mais tout le monde connaît ça, c'était six mois avant les événements euh, du fameux euh, World Trade Center. Quand même assez fascinant. Et le troisième que je veux porter à votre attention, eh bien, c'est malheureusement euh, plus récent, un an avant la tragédie de la, du déraillement de train en Ohio, dont je vous ai parlé, qui est complètement, complètement hors norme, avec des conséquences à long terme sur la santé des gens. Eh bien, il y a eu un, une série, un film <coughs> ou une série qui a été euh, produite par euh, je pense que c'est euh, Netflix et euh, qui s'appelle White Noise. On va aller voir ça ensemble. White Noise. Et qui a été tourné en Ohio et qui en plus, dans cette, dans cette série-là, je pense que c'est un... c'est un film. Qui a été euh, écrit l'an dernier, qui est sorti à peine un an avant les événements de... tragiques de... il y a une dizaine de jours, parle d'un déraillement vraiment cataclysmique. Donc, c'est des gens qui vivent, euh, c'est une comédie satirique. Cependant, nous dit euh, le résumé de, cette, de ce film-là, leur vie est bouleversée lorsqu'un accident de train cataclysmique projette un nuage de déchets chimiques. Sur la ville, exactement ce qui est arrivé. C'est un événement toxique, aéroporté, qui force une évacuation massive. Et là, naturellement, le film euh, prend une autre tournure. Mais c'est en Ohio, dans une petite ville. Ce film-là est fait le 31 août, sa sortie était le 25 novembre 2022. Wow! Et on a eu cet événement-là, mais ce n'était pas le seul. Donc on, programmait les, on programme le citoyen, le spectateur, à des événements sur lesquels tu peux rien faire, mais on te prépare à ces événements-là pour que tu les acceptes comme, fatalis, comme une fatalité. Quelques jours après les, 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 le, 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 le déraillement de train de, de l'Ohio, il y a eu euh, un train qui transportait des matières dangereuses qui a déraillé à Détroit le 16 février, donc il n'y a pas longtemps. Et ça, c'est sans compter un autre déraillement de train qui a eu lieu au Texas le 14 février, qui se produit quelques jours seulement après la catastrophe de l'Ohio, encore là, avec des euh, produits toxiques. <laughs> donc, c'est le hasard, c'est de la préprogrammation, c'est de te préparer le terrain à l'acceptation d'événements hein, sur lesquels tu n'as aucun contrôle. Ça m'amène à vous parler de du fameux agenda 21 des Nations Unies. Hein. Beaucoup de monde en parle. Dans le fond, c'est un plan, c'est un plan global totalitaire. C'est du totalitarisme que notre élite tu la connais, notre élite. On en parle souvent ensemble. Hein? C'est du monde qui contrôle tout. Contrôle tout ce que tu as chez vous, tout ce que tu as chez toi, en passant du plus petit euh, item comme des chaussettes à ta voiture, incluant ta maison, ton matelot, tes oreillers. Tout ça, tout l'inventaire des ressources naturelles, tout l'inventaire des immeubles, tout l'inventaire des terres, l'inventaire de l'eau. L'inventaire des humains. Tout ça fait partie de ce plan-là et ça appartient à l'élite. Comprends-tu? Et ce qu'on veut, c'est un régime totalitaire pour faire en sorte qu'on contrôle complètement l'humain. Puis tu le vois que le régime totalitaire s'est installé depuis 5 à 10 ans. Tu as vu la, 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 la quantité d'événements qui sont produits. Et la censure qu'on a amenée sur ces événements-là, parce que ce qu'on ne veut pas surtout, c'est que tu euh, questionnes. Et ce qui fait que la masse, quand elle est conditionnée par euh, ce contrôle, entre autres par les médias, le cinéma, et qu'on l'a préparée à une seule perception de la vie, hein, fait en sorte que cette masse-là, quand elle est dérangée par une version alternative, dit, appelons-la comme ça, elle est bouleversée, mais elle est incapable de l'accepter parce qu'elle a été pendant des années des années, et ça c'était la tactique de tous les euh, tyrans, en passant par euh, Staline, en passant par euh, Castro, en passant... Tous les tyrans manipulent leur population avec un seul message pour que ce message-là devienne leur réalité puis leur perception. Donc, quand notre population à nous est conditionnée puis que tu arrives avec une autre explication d'un autre point de vue, elle est complètement bouleversée parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Et c'est ça le plan de ces gens-là. Donc, je veux juste qu'on retourne à cette plateforme hein, de l'ONU. Cet euh, Agenda 21, bien, c'est pas nouveau. Cet Agenda 21-là a été créé en 1992. Ce clan-là, L'agenda 21 est un plan d'action global à mettre en œuvre à l'échelle mondiale. Et là, je suis sur le site de, des Nations Unies. Là, c'est rien de conspirationniste. Et ça, c'est en 1992. Ça remonte à un bon bout de temps. Hein? Et donc, cet agenda-là, on nous dit que c'est un plan d'action global à mettre en œuvre à l'échelle nationale, mondiale plutôt, nationale et locale par les organisations du système des Nations Unies les gouvernements et les grands groupes dans tous les domaines où l'homme a un impact sur l'environnement. Naturellement, on met toujours ça avec une belle couche, euh, euh, comment dire, euh, vertueuse. L'Action 21, la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et la Déclaration de Principe pour la gestion durable des forêts a été adoptée par plus de 178 gouvernements lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui s'est tenue à Rio de Janeiro au Brésil, le, du 3 au 14 juin 1992. Wow! La commission du développement durable a été créée en décembre 1992 pour assurer une survie efficace à ce projet, surveiller et rendre compte de la mise en œuvre des accords au niveau local, national, régional et international. Il était convenu qu'un examen quinquennal des progrès accomplis au sommet de la Terre serait effectué en 1997 par l'Assemblée blablabla. blablabla. Wow! Donc tu vois que ça remonte à il y a très, très longtemps. Ce totalitarisme et ce plan global de tout, tout, tout contrôler. D'ailleurs, les Nations Unies, ça n'a pas été créé pour ça à l'origine. Hein, tout le monde se rappelle de la création des Nations Unies après la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'était déjà l'outil. Rêver. Hein? Vertueux d'un gouvernement totalitaire. Imagine-toi que pas longtemps, OK? Après cette euh, déclaration ou ce, ce, la création de cet agenda 21-là, qu'est-ce qui est arrivé? Là, ça, c'est en 1992, du 3 au 14 juin 1992. Bien, le 1er novembre 1993, naissait la renaissance de l'ex-URSS, mais cette fois-là de l'autre côté du rideau de fer, dans les pays européens, libres et démocratiques, naissait l'Union européenne, cette monstruosité de totalitarisme, où tous les gouvernements et toutes les nations disparaissaient pour en faire une grande et une seule et unique, avec la même idéologie, le même, la même parole, la même pensée les mêmes buts, sans plus aucune différence entre chaque nation. Imagine-toi qu'en 1993, un an après, naissait l'Union européenne avec le traité de Maastricht, et tu regardes ce que ça donne aujourd'hui, des citoyens conformistes du monde qui ont perdu leur liberté, et tu vois le, 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 le totalitarisme augmenter, euh, avec euh, madame Le, Von den en tête avec toutes sortes d'idéologies de menaces envers des pays qui voudraient pas voter du bon côté de la démocratie Emmanuel Macron qui nous a dit que la démocratie était en jeu la démocratie libérale c'est-à-dire que si tu as une autre idéologie que la leur tu menaces la démocratie alors qu'on a toujours compris que la démocratie c'était la la voix du peuple, c'était le peuple qui décidait de l'agenda et du genre de gouvernement qu'il voulait, du genre de loi qui était pour être votée, de programme qui était pour lui gérer sa vie. Donc, tout ça fait en sorte, chers amis, que, wow, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire, sauf, mais ça n'arrivera jamais, c'est de dire non, 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 puis d'arrêter d'être un spectateur. Mais on est tellement pris dans nos vies à courir après nos queues et ces gens-là s'assurent qu'on court après notre queue en nous rendant la vie de plus en plus difficile économiquement et financièrement, qu'on en est tous devenus, malheureusement, très individualistes parce que il faut que tu mettes de la nourriture sur ta table, que tu nourrisses tes enfants, puis que tu te gardes un toit sur la tête. Je voulais juste partager ça comme ça pour remettre des choses en perspective, calmement, sans partisanerie, sans politique, pour vous démontrer qu'on est contrôlé, il n'y a rien qu'on va pouvoir, pouvoir y faire, on est programmé, on est tous des spectateurs, puis les événements qui se produisent, on les accepte tous comme une fatalité. Passez bon, un bon samedi quand même, puis je vous reviens un petit peu plus tard.